c'est un peu trop, tu vois, effet wow. Et au final, il y a des choses qui sont mieux et moins chères, quoi. Genre, quand tu vois que leurs intras coûtent 90 balles, franchement, tu prends les Rocat, ils sont très très bien. Ben voilà. Bah, le seul truc qui est bien sur Rocat, c'est bon, t'énerve pas. Ouais, bah je le dis depuis, ça fait 5 ans que je le dis que Rocat. Mais bon, personne. Oh, Rocat, c'est pas connu, Bibou joue pas avec. Bah voilà, c'est ça. Bibou joue avec une Rocat, demain tu prendras des Rocat. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Il décale, il est toujours jacuzzi. Oh, il a. J'ai un vieux silencieux. Revenge, jacuzzi. Vous l'avez vu cette ligne d'enculé là qu'un mec avait montré sur Reddit et après sur Rainbow ou pas? Ouais, je l'ai vu ouais, sur. Ouais, au niveau du trou droit, enfin du trou de jacuzzi. Vous la fait voir pour ceux qui la connaissent pas. Elle est assez insane. Après, c'est rare de la. De pouvoir l'utiliser. Hein. Sur les falaises est, y'a un Thatcher. Ouais, je l'ai vu. Non, falaise est, Thatcher. Ouais. Pas nord. Please dégage, Bruce Lee. Et là, vous avez les mecs qui rentrent dans le garage en fait. D'ailleurs, y'a un drone qui vient d'arriver. Ok, Zofia devant le trophée, elle est morte. Ok, nice. J'ai ça mérite. France silencieux, ouais, je joue France silencieux, mec. Au lieu de vomir, essaye là et puis tu verras par toi-même. Donc, c'est bon. Buck Archiwick, tout en bas. Mort Buck. Ah, j'aurais pu l'avoir avec la petite ligne. Il est plus sur le pied. Il est où? Je pense, soit il est toujours. Il est là, il est là, il push. À la porte. Mort. Maverick, c'était la bombe, c'était diffuse. Ok. You have the diffusateur. Valkyrie has. Oh putain, mais c'est fou ça ce qu'il a fait là. La double grenade pour délogier la Mira sur Chalet, tu l'as vu ou pas? Non, j'ai jamais vu ça. Oh, franchement, mec, très très bon quoi. Très 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 bon. Le mec prend un sledge en fait. Ouais. Et bon là il y a des chances en plus qu'ils s'y mettent puisqu'ils ont pris la sauce. Il va, ouais. Il se met en face du garage qui est renforcé. Hein, okay, le garage est renforcé. Alex. Renforcé et du coup, garage. Le garage, il se met en face du garage, c'est motoneige, ok. Ok ouais. Le garage est renforcé tranquillement, ok. Ouais, ok. Et par la fenêtre qui est la plus à droite en haut, tu sais les 4 ou 5 fenêtres qui est en haut, 5 ouais. Il me semble. Il casse celle qui est à droite. Il balance une grenade et une autre grenade directement, ok. Okay. Sans okay. Les cooker. La ouais. Première, elle tombe en plein milieu du chalet. La première, elle tombe en plein milieu du chalet, quasiment ouais, okay, au niveau de la cheminée, tu vois. Ouais, ok, je vois. Et la deuxième, elle passe par le trou ouvert par la première, et en fait, elle tombe sur la Mira, qui est toujours au même endroit. Le trou. Ah oui. C'est un truc de malade. Un truc de malade. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai inventé. Je l'ai dit à 6-4 et 6-4 l'a dit à un mec qui l'a mis sur. C'est pas grave, random. Hein. Non, parce que si tu le fais toujours au même endroit. Vu comment elle glisse comme ça dans le trou, il y a de grandes chances que ça passe tout le temps. Bon, ils sont pas en bas. Je vais essayer de le faire, je vais essayer de le tenter, tiens. Allez vite. Bah, j'ai juste regardé, à mon avis, l'angle, le mec l'a travaillé pendant des heures, quoi. Ouais, clairement. Mais en gros, le mec se met genre vers ici. Allez, il fait péter ça. Il balance la première grenade. Il balance la deuxième grenade. Derrière, il balance le drone. Ah bah là, c'est bon, ça l'a fait. Là, ça l'a fait, bon. Mec, du premier coup. Ça a fait quoi exactement en fait? Bah, la grenade, elle tue la Mira en dessous de la cheminée quoi. Donc, c'est pas random, c'est hyper simple à faire. Bah, ouais, moi je te le bute en l'air ton C4, mais qu'est-ce que c'est genre ouf. Ah, j'avoue, c'est insane gros. Regardez, c'est complètement insane. Ah, y'a un mec en plus, top là où t'as fait le kill sur Valkyrie. Imaginez une Mira qui se met comme d'habitude ici, là, avec son mur renforcé. Bah, elle prend la grenade, elle tombe là. Clairement, j'avoue, c'est fort. Puis il y a souvent un mec qui se met derrière la Mira quoi, même pour drone, pour se mettre sur ses cams ou un truc comme ça genre. Ouais, c'est un truc de ouf. T'es dans la kitchen là? T'es où? Un mec dining est mort. Ok, y'a un trophée. Au top. Je l'ai eu. Il faut les planter trophée hein. Go planter trophée. Je vais. Il reste que Echo. Vas-y, j'arrive avec toi. Mort. J'allais la voir enfoiré, bah t'es vraiment un. Ah, okay. Ça servait à rien. Mais la grenade là, franchement. Allez, dingue. C'est dinguissime. Dingue. Parce qu'en plus, les mecs vont pas mettre de Jaeger dans le main. Vont pas forcément en mettre derrière elle.
Je sais même pas si à la limite, au pire, si... Ouais, non, ouais. Ah si, parce que à la limite, au pire, le Thatcher vient sur la fenêtre du main pour balancer un Thatcher à cet endroit-là, un EMP devant la cheminée, ça deny ouais, tout, clairement. L'autre, elle prend la grenade directe, quoi. Dommage que les grenades ne fassent pas péter les Mira. Ouais, ça serait fort de ouf, j'avoue. Oh là là, là, t'imagines, tu balances deux grenades comme ça, quasiment bon, random, tu butes la Mira, et en plus, tu bah elle peut plus utiliser son truc, quoi. Si elle bougeait pas, c'est un drone. Il y a un montagne devant. J'ai 2 HP. Tu vois, c'est ça qui est ouf dans Rainbow Six, c'est que quand tu vois par exemple qu'il y a encore il y a 3-4 mois, des mecs ont trouvé de nouvelles choses sur un jeu comme Counter-Strike, qui est quand même là depuis bon bah quelques années, j'ai envie de te dire. Du coup, c'est là que tu te dis que sur Rainbow Six, avec le fait que le jeu soit beaucoup plus complexe qu'un CSGO, bah on va encore trouver des choses pendant des années et des années et des années, vraiment. Il y a des mecs qui vont dire oh, cet angle-là et tout. La probabilité de trouver des trucs et de combiner des machins, oui, et des est beaucoup plus importante que CSGO. Bah oui, ouais. pas infini, mais. Bon, pas infini, mais j'exagère, mais je tire le trait, Siska, tu sais bien, enfin. Il aime bien tirer le trait en plus. J'aime bien tirer le trait. Truc. Mort au fond. Ouais, il y en a un toujours au fond, à gauche de la droite. What? One is on the ground. Y'en a un qui est mort, contact à gauche, celui qui bouge pas. Go go. Ouais, c'est pas grave ça, vous pourrez. Il a pas enlevé les bandits lui. Ouais bah vas-y, Siri me dit le passé, le présent et le futur entrent dans un bar. Il était temps. Elle me fait des blagues. Siri me fait des blagues. J'adore ta blague, Siri. J'ai beaucoup ri. Zero one shot et nous on l'a fait. Non, et on l'a peaufiné, tu vois, comme on pouvait, mais. Non. One is A. On voit son under, ombre, on le voit pas lui. Pourquoi il me bute? C'est quoi le problème de perspective là? Where is he? Et voilà. Oh, il a pété ma lance. Ouais, voilà, mais. Et voilà! Putain! C'est quoi qui t'a buté là? C'est lui, mec, à la tête. Putain, le timing. Je sais que j'étais en retard là. Je vais mettre une grue, j'aurais jamais dû mettre cette grue de lumière. Je l'ai même pas mise. J'ai S4. Nice. Sors par le main, tu le décales sur la. Non, ouais, ici à droite. Nice, encore rappel encore. Je suis mort. Ah, je te reviens à porte main. Ah, j'arrive porte main. Il me. Angel, il me. Il. Mais qu'est-ce qu'il est con. Quoi? Elle est arrivée. Elle m'a touché. Là, sur notre side, café. C'était quoi qui se passait? Tous sur le site. Il se barre. Il y a un mec, il y a un bandit qui me joue. Ouais. Il y a un bandit, mais il y a aucun stuff, je veux dire. Tu peux rentrer en vrai. Can you check for me? Y'a aucun stuff, d'accord, ok, je rentre. Non, y'a aucun stuff. Y'a une Valkyrie par contre, quelque part. Il va mettre son C4 l'autre? Ouais. Normal, je dodge. J'ai pris cher, il est derrière le comptoir devant moi. Je vais mettre une grue. Vas-y, quand tu veux. Il est mort. Je flash et je pose. Je me fais même pas chier. Meurs toi là! C'est quoi ce mec? Vas-y, c'est bon, ça passe. Je la porte moi si t'es calme. C'est moi, il est mort. GG. Putain, ça m'a énervé. Allez, je suis vénère, regardez ma tête. Elle vient d'où bah, l'autre? Ok guys, c'était un soir où on jouait sur Border, il me semble. C'était sur Border. Je crois que vous pouvez retrouver Border. La vidéo. Et la vidéo Border. S'appelle 100% Salty. C'est l'une des premières salty. Vidéos. Ouais. 100% oui. Salty Ranked, un truc comme ça. Et franchement, bon, y a beaucoup d'anglais. On parle pas mal en anglais. Are you from Copperland? Are you guys from Copperland? You suck, c'est Barry qui est là.
Oh, Shad. Ah ouais, tu vas voir. Ah, c'était un très très... On avait beaucoup beaucoup rigolé. On aime bien rire. Et on était retombés sur les mêmes mecs après. Et donc du coup, à un moment, on arrive et on leur fait... don't worry guys, I'm gonna show you, I'm in Pro League. Et Merrick fait, and me, I'm Mary. Et moi je fais, oh, Mary, really? Et après, je sais plus comment ça part, c'est un truc du genre, I know you. Ouais, ça doit être un truc comme ça, je crois. Ouais. I know you, you're so fucking good. Et après, il fait, ah! Yeah, I know. Hello, mate. Yeah. Hello, bro. Ouais, qu'est-ce qu'on est marrant, on s'aime, nous. You wanna play Mira? I can play Mira. Oh, if you want.